Salut tout le monde, bienvenue dans les aventures de Vincent et Maud. Aujourd'hui, on est au camping Havana Club et c'est notre toute première journée. On est dans notre deuxième semaine des vacances de la construction et en ce moment, on se prépare des bonnes pizzas. Cette année, on a laissé faire le air fryer et on est rendu ciao avec un petit four dans notre roulotte. Ça va être très très bon. Ce qui est le fun au camping Havana, c'est qu'à chaque jour, il y a beaucoup d'activités et aujourd'hui, on a le thème de Disney. Alors, on s'en va voir leur événement à l'accueil. Le spectacle de Disney vient tout juste de terminer et selon moi, la cote, elle est très très haute comparée aux autres campings. L'événement était super le fun. Les acteurs étaient très très le fun. Et évidemment, c'était un événement pour les enfants, mais c'était très très bien fait et très amusant. Alors, bon matin, on a passé une très belle nuit. Là, en ce moment, on a sorti notre vélo et notre trottinette. On s'en va faire une petite promenade dans le camping, découvrir un peu les lieux. Hier, on était un peu épuisé, on n'a pas fait grand-chose. Alors là, c'est le temps de passer à l'action ce matin. Devinez où est-ce qu'on est rendu? À Cayo Santa Maria! Non, mais pour vrai, le site est très très bien fait, c'est incroyable. Et en plus, il y a des toilettes un peu partout sur le site et ils sont très très beaux. Alors Maud, dis-moi, comment tu trouves les installations? C'est mignon, on dirait des petites cabanes de jardin. Imaginez-vous donc qu'il est déjà rendu midi et demi. C'est incroyable à quel point le temps passe vite. Et en ce moment, Maud, dis-moi, c'est quoi l'activité qu'il y a? Glissade dans la piscine. On s'en va voir ça dès maintenant. Ça risque d'être très, très le fun. Même toute une piscine et c'est assez incroyable. Je peux vraiment vous dire que la cote est haute dans ce camping. J'ai vu aucune ambiance comme ça dans tous les autres campings qu'on a visité dans toutes ces années-là. C'est assez incroyable. Comment t'as trouvé ça, toi, Maud? C'était super cool. Ça risque d'être un gros coup de cœur, ce camping. On est déjà rendu à Mardi. Maud, comment tu trouves à date ta fin de semaine? Super cool. Les vacances passent déjà très très vite. On continue un peu d'explorer le camping et en ce moment, on s'en va visiter les petits véhicules et la soucoupe volante.
Bientôt 4 heures et à la piscine, c'est le party de mousse. Maud est déjà là-bas, je vous emmène avec nous. On s'en va voir le spectacle du soir. À date, nos attentes sont très très bonnes. Toutes les activités et les shows qu'il y a à chaque soir sont extraordinaires. On a vraiment hâte d'aller voir ça. Excellent show, et même que ce n'est pas terminé en ce moment, mais on fait une petite marche dans le camping. C'est vraiment incroyable toutes les activités que le camping propose aux gens du camping. Un autre beau matin, aujourd'hui on revient d'une petite activité qui sera disponible dans les prochaines semaines sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui on s'en va dîner direction le camping, on s'en va tester leur délicieuse poutine. C'est le cas de le dire, on n'a pas le temps de s'ennuyer ici au camping Havana Resort. Ils ont tellement trouvé des activités et tout à faire pendant la journée qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Regardez-moi ça, le bon hot dog et la bonne poutine! C'est une petite en plus. Ouais, elle est quand même très très grosse en plus. On va la manger à deux. C'est le cas de le dire, on va très très bien manger. J'ai déjà hâte d'être rendu à la roulotte pour y goûter. J'ai une très très bonne nouvelle. On a eu des petites échos comme quoi le camping avait une mascotte. C'est pas fabuleux ça? Et comme vous le savez, moi j'adore faire la mascotte. Alors on est allé voir le propriétaire pour lui demander si on pouvait utiliser la mascotte exclusivement pour nous et se promener en camping. On vous emmène avec nous dès maintenant. Tourne-toi un peu vers moi. Super. Thank you.
De faire la mascotte a été vraiment le fun. On a fait la mascotte pendant environ 1h45. C'était vraiment le fun. Et j'aimerais personnellement remercier le propriétaire de nous avoir autorisé à utiliser sa mascotte dans le camping. C'était super le fun. Imaginez-vous donc que j'ai tellement aimé faire la mascotte hier que j'ai décidé de retourner faire la mascotte aujourd'hui à 1h de l'après-midi lors de la tournée du train dans le camping. Et cet après-midi, on va aussi aller au vignoble, le voisin juste à côté du camping. On va aller leur faire un coucou avec la mascotte du camping. Vas-y! Aventure de Vincent et Maud au camping Havana Resort. On a passé une très très belle semaine. On s'est amusé à faire la mascotte. Les shows étaient super le fun. La piscine était vraiment malade. Vraiment, c'est un camping qui ont mis la barre haute face aux autres campings. Et je crois même qu'il n'y a pas aucun camping qui est capable de rivaliser avec eux. C'est vraiment incroyable. Toutes les activités qu'ils offrent à toutes les heures. Et alors, moi, je vous invite à aller au camping et bonne journée.